Hey, salut à tous les amis, comment ça va? En tout cas moi ça va super et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau troll. Donc un troll que j'ai fait avec Tritech et élaboré par lui. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. Donc c'est encore un troll au faux virus, mais cette fois-ci le virus a été créé par Tritech. Donc on a réussi à faire quand même faire pas mal de choses. Le troll était vraiment assez drôle comme vous le... Vous voyez dans le titre, on a réussi à le faire chanter, donc c'était vraiment super drôle. Donc j'espère en tout cas que le troll vous apprécierez le troll. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et sachez que je compte lancer une série de trolls comme ça, où on fait chanter des gens, parce que je trouve ça vraiment super drôle. Et puis à chaque fois c'est différent, parce que chaque fois le troll n'est pas le même. Donc c'est pas très redondant, donc c'est vraiment très très cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous apprécierez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme je viens de le dire, à vous abonner et à partager. Allez voilà, salut les amis, c'est parti pour la vidéo. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Tu fais quoi? Oh putain, ça va être génial les amis, je le sens. Là j'étais en train... Mais je suis mort parce que j'avais pas d'épée. Ah, c'est chaud, moi aussi je suis mort, ça m'énerve. Salut les gars. Ah salut, ça va Roxy? Ça va et toi? Ça va, bon bah, tu t'appelles Kylian? Ouais. Ok bah Kylian, je te présente Roxy, mon ami à moi, et Roxy, Kylian. Salut. Salut. T'as quel âge? 12. Oh, ça va? C'est cool. J'ai 2 ans de plus que toi, j'en ai que 14. Du coup, bah, on fait une partie ensemble? Ouais. Ok, attends. Et toi, c'est quoi ton pseudo, Kylian? 33. Quoi? M33HEW33. Ah, d'accord, ouais. T'as déjà cheaté, toi, Kylian? Sur le serge, j'ai déjà été ban. Ah bon? Ouais. T'es un serveur craqué? Quoi? T'es un serveur craqué? Enfin, t'es en... Je suis en premium, moi. T'es en premium? Ouais. Et t'as été... banni? Ouais. Bah, comment ça se fait que t'es sur le serveur? Non, mais l'autre... il y a longtemps. Ah bon? C'est dur, on va sur les cubes, mon cheat. Encore. Hein? Moi je suis ban à vie, je peux pas y aller. À vie? Ah. Ah bah tiens, Roxy. Quoi? Il est ban à vie, du coup on peut test. En plus, comme les trucs. Bah, si tu l'as encore, ouais. En plus, comme les trucs Optifine sont bientôt. Bah, si tu l'as encore, le générateur, ouais. Ok, bah vas-y, bah je te laisse pour. Là, tu vois. Moi je m'en fiche, après c'est surtout toi qui l'as payé donc. Ouais bah par contre vas-y si tu veux je te filerai la clé. Vas-y, bah je te laisse expliquer du coup parce que moi je suis un peu nul dans les explications. Bah ouais mais ça dépend aussi, enfin c'est pas vraiment mon pote, enfin, c'est plus pour toi quoi. Bon c'est bon, tu te connais mieux que moi dans ce truc. Ok, bah écoute Kylian. Ouais. Genre en fait si tu veux, vu que t'es ban et que t'as un pote à Tritech, ben si tu veux je peux te proposer un petit truc, c'est que genre j'ai un générateur de compte. Genre tu sais je le paye 5€ par mois, je peux créer autant de comptes que je veux, donc c'est assez cool. Et donc vu que ben, t'es ban et Picube, ben, ce que je peux faire c'est que je peux te filer un compte, genre comme ça tu joues avec nous. Bah... Ah, pourquoi c'est pour toi, tu sais, nous on s'en fiche, c'est comme si je sais pas, moi j'ai un peu envie de cheater là sur Epic Cube. Hein. Comme ça, moi tu pourras même le garder et puis tu pourras rester sans cheater, hein, si tu veux, tu peux le garder autant que tu veux. C'est un en fait, j'explique un peu comment ça marche. C'est un générateur qui paye 5€ par mois. En fait, à la base, le générateur on l'a volé à un youtubeur parce que c'était un ami à moi, sauf que mon ami, du coup, il m'a énervé, du coup je suis plus trop sur ton ami et je vais voler le générateur. Et en fait c'est un truc qui paye 5€ par mois et il peut créer automatiquement des comptes via le site Mojang. Et puis tu as le site qui prend en charge Minecraft. Et en fait on a aussi le même truc pour les caps Optifine, c'est de ça qu'on parlait en fait, parce que Optifine en gros va pouvoir vendre des caps à 5€ alors qu'elles vont rien nous coûter à la base, donc du coup ça va nous revenir, enfin on va pouvoir vraiment se faire bien de l'argent tu vois. Du coup, ça te dit qu'on te fait. En fait, t'as pas rien à faire, ça te dit qu'on te fait un petit compte vite fait et puis qu'on est sur Epic Cube pour faire n'importe quoi. Je sais pas. Vas-y, ça peut être marrant. Non?
Eh, vous savez au pire, les gars, enfin, vous voyez qui c'est, Cause. Cause, ouais. Oui, je vois. Eh ben, si vous voulez, en fait, les gars, je le connais, donc si vous voulez, on peut même essayer de... Enfin, s'il host une game aujourd'hui sur Epic Cube, je crois qu'il va host une game d'ici 20 minutes. Donc si ça vous dit, les gars, je lui dis qu'il nous laisse rentrer, hein. Je peux. Ah ouais, mais du coup, il faut qu'il ait un compte premium. Enfin, il faut qu'il soit déban. Bah ben, ouais, mais voilà, quoi. Bah vas-y, ça dit, on tue les tiens un compte, et puis comme ça, on va sur le truc de Cause, on fout la merde. Pour être marrant. Et il record en plus l'UHC. Hein. Ah ouais. Mm-mm. Ah vas-y. Vas-y, bah ça te dit, bah, on fait ça. De toute façon, nous, on va le faire, c'est sûr. Donc, Ouais, ça te dit, tu viens avec nous, Kylian? Je sais pas. Ça pourrait être super. Ou je change de... Oui. Ou je change de launcher. Bah non, on te file un... T'as pas besoin de changer de launcher, ouais. On va tout... T'auras juste... Non, mais là, je suis sur un launcher craqué. Ah oui, bah non, mais c'est pas grave, t'auras juste à te connecter. Même si c'est un launcher craqué, t'auras juste à te connecter avec les intuitions qui... Bah oui, tu pourras te connecter. Oui, voilà, même avec le launcher craqué, tu pourras te connecter avec. Ouais, non, mais ça, c'est pas un problème, tu peux prendre n'importe quel launcher, on s'en bat les steaks, mais t'arrives. Attends. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Par contre, faut se dépêcher parce que sinon. Si ouais, les gars, faut vraiment se dépêcher là parce que sinon. Bah là, j'ai envoyé un message à Maxou, il m'a dit que c'était ok, qu'il me laissait 3 places. Mais par contre, j'ai pas dit les pseudos, donc il sait que ce sera moi et toi, Try, mais ouais. Il faut vraiment que tu te dépêches si tu veux avoir ta place. Kylian. Et puis, on sera dans une partie spéciale, puisque ce sera des UHC 3v3, donc on sera vraiment une équipe parmi les autres, donc ça, c'est intéressant, quoi, les gars. Yep. Bah, fais-nous un partage, Kylian, tu sais qu'on fait ça. C'est vrai qu'on a pas que ça à faire, faut se dépêcher. Du coup, tu peux ajouter ton ami? Ouais, j'essaye. Mais faut se dépêcher, les gars. On a 11 minutes 57 devant nous là. 11 minutes. Bah, du coup, fais-nous un partage, Kylian. On te file vite fait le truc avant qu'on y aille. Ok. Tu peux lancer le truc. Bah, attends, on te dit vite fait comment faire. Lance le dossier. Ouais. Attends, parce que du coup, le partage est bug et j'aimerais voir ça en même temps. Ok, clique dessus. Ok, prends install, mets-le sur son bureau. Putain, je suis pressé de foutre n'importe quoi sans le savoir, ça va être trop bien. Tu mets install sur le bureau. C'est bon. Ok, double clic, enfin tu peux fermer le dossier Minerar, ça sert plus à rien. Alors y'a quoi, y'a ouvre-moi. Ah ok, putain, ça fait un bug, j'ai pas lancé ça. Lance, ouvre-moi. Histoire que... Ah, attends, merci d'avoir été ok. Générateur est un compte privé, merci de ne pas le donner à tout le monde, tu vois. Merci de mettre le programme sur le bureau avant de le lancer. Ferme. Mets les trois, enfin les quatre trucs sur ton bureau. Ça commence à combien de temps, Roxif? Ça va, on a encore le temps, là, ça va arriver à 9 minutes. Ah bon? Ouais, on a le temps, mais... Ils sont toujours en retard. Je veux dire, c'est le serveur qui s'ouvre après. On va déplacer. Okay. Ah, d'accord, ok. Du coup, lance. Installe Minecraft Crack, le truc tout en bas. Attends, plus sur. Ok, vas-y, fais ce qu'elle a écrit. Normalement, c'est pas compliqué. Puis sur une touche pour continuer, vas-y. Ouais, c'est ça, ça va. Là, ça va créer le compte. Après, je crois qu'il faudra l'activer. Ok, vas-y. Il nous reste combien de temps, Roxif, exactement? C'est entré. Il nous reste combien de temps? 9-20, ok. Le compte Minecraft, vous avez décrit, il faut maintenant l'activer. Ok. Du coup, attends. C'est quoi qu'il fallait faire déjà, Roxif, après? De quoi? Enfin, après avoir lancé le truc, il fallait activer le compte? Ouais, c'était ça, je crois. Il me semble. Non, ça veut dire message de merde. Lance activation du compte. Non, ça veut dire message de merde, je crois. Nous sommes. Oui, pourquoi il avait marqué ça déjà le. Je sais pas. Non, il est vraiment con. Attends, normalement ça va activer le. Faut pas que t'enlèves les pages. C'est quoi là? On a combien? C'est les pages d'activation. Il y a des pages de pub et des pages d'activation. Ah oui. Reste sur la dernière page qui t'envoie.
On revient sur la première, attends. Je crois que la première, je crois que c'est la première ou la dernière, je sais plus. Ouais, c'est la première, attends. Coucou. Pourquoi ça met ça? C'est une page de pub, gros, c'est une page de pub. Ok, t'as tout ce qu'il te faut, Octif? Ouais. Du coup, on peut... Non, tout. T'as tout? Ok, c'est nickel. Du coup, je te laisse dire, vas-y. Non, vas-y, je te laisse y aller. Ok, Kylian? Quoi? C'est qui ton ami dans le convoi, il est là? Ouais, non. Il est là ou il est pas? Je sais pas. Bah attends, il voilà. faut que je te parle en privé. Est-ce que je peux juste le mettre à côté histoire que je parle en privé? Enfin, je te parle en privé, du coup, attends, je l'en dire. Ok, c'est juste pour dire. Ok, donc, Roxy Frémont, on a récupéré toutes tes informations. Du coup, on a toutes les informations, on a tous tes mots de passe, on a toutes tes adresses email, donc on peut te hacker quand on veut. Roxy va te demander de vite fait. Bah, Roxy, est-ce que t'as tous les mots de passe? Ouais, bah là, j'ai tout ce qui est physique surtout. Tout ce qui est physique? Ouais. Ok, moi j'ai toute l'interface. Par contre, je te demanderai de pas quitter la conf Skype parce que là, je suis en train d'envoyer des paquets et si tu quittes la conf Skype, ben. Ça risquerait de faire crash ton PC en fait. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te DDoS, il va couper ta connexion pour pouvoir accéder plus facilement à ton ordinateur, récupérer tout ce qui manque. Alors, Kylian. Quoi? C'est cool de se faire laisser comme ça avoir pour des hackers. Non, je suis pas comme les autres. Donc, tu sais que tu pourras plus. Tu non, pourras mais c'est pas ça en fait. Attends, deux secondes. Mec, try. Quoi? Yes. Je. Oh là. Je crois qu'on a touché le Graal là. C'est vrai? Ouais. Il y a quoi? J'ai chopé la banque. Non. J'ai chopé la banque et la location. Oh, c'est trop bien. Kylian? Attends. Kylian? Quoi? Il y a tes parents chez toi? Ouais. Tu veux bien les appeler? Non. Pourquoi? Parce que quoi, t'as peur? Ils sont dehors. Ah, bah c'est dommage pour toi parce que là on a du coup accès à la carte bancaire de tes parents. Du coup bah c'est génial. Attends, je chope le code. Vas-y, je chope le code. Et Kylian, du coup, comme on t'a dit, quitte pas la conversation, sinon ça risque fortement d'endommager ouais, ton ordinateur. Non mais là c'est plutôt dangereux. Yep. Alors, Kylian. Quoi? Kylian, t'as l'air de t'en foutre, c'est génial. Du coup nous on 46 peut avoir 4611. 4611, le code de c'est 46, pas, 11, le code 46, de la carte. Vas-y, pompe. Vas-y, note-le quelque part. Ok. Kylian, du coup, on dit tu vas sans doute te faire niquer par tes parents. Bon, ça, c'est pas notre problème. On est en dehors de l'espace Schengen, donc du coup, tu peux pas nous atteindre en fait. On habite pas en Europe. En plus, c'est cool parce qu'il a pas l'air d'avoir peur. C'est génial. Bah, du coup, c'est super parce qu'il panique pas, donc en fait, on va pouvoir. Avoir accès à ça. C'est cool. C'est ça. Bon, Kylian. Quoi? T'as l'air de t'en battre complètement les couilles, tu sais ce qui va t'attendre en fait. Ouais, mais vas-y, c'est bon. 46-11. Donc là, on a déjà la carte bleue de tes parents, donc je peux te dire que tu vas te faire niquer avec tous les achats qu'on va faire. Mais arrêtez. Bah pourquoi? C'est bon. Non, mais t'as pas à lui dire. Quelqu'un d'autre. Bah, non, on n'a pas à lui dire quoi que ce soit. On n'existe pas, on est des hackers, on est Anonymous, mec. Tu m'étonnes, on va pas te dire d'où on est. Déjà, on n'habite pas en France, on n'habite pas en Europe, donc à mon avis, comme il t'a dit, on n'est pas dans la zone détectable. En fait, si tu veux, je parle 13 langues. Juste pour te dire, à mon avis, on n'a sans doute pas ton âge. Toi, t'as combien? T'as 12 ans, tu m'as dit? Nous, on n'a certainement pas 12 ans, on est beaucoup plus vieux que ça. Ouais, non, mais déjà, là, on a le code de la carte bleue de tes parents, on va faire des achats, toi, tu vas te faire niquer, on va bien essayer. Redonnez-le moi, c'est bon. Attends, sinon, je pense... Comme quoi, c'est de ta faute. Tu vas bien te faire zigouiller par tes parents. En plus, tu sais, ce qu'on fait, c'est même pas illégal, dans le sens où, en fait, c'est même pas un piratage, parce que c'est toi qui as cliqué sur notre lien. Et en fait, on t'avait pas forcé. Parce que dans la charte... t'as pas forcé. Non. Rendez-le-moi. Dans la charte de Skype, en fait, il y a marqué que si tu cliques sur un lien, c'est-à-dire que tu es conscient des risques qu'il peut y avoir en cliquant sur le lien, et donc... ça comporte le fait de se faire grave l'IP et à partir de là, je peux choper toutes tes données physiques. En parlant de ça, tu as son IP? Ah oui, son IP, bah forcément, sinon j'aurais pas pu faire tout ça. Ok, donc ça c'est génial, t'as son IP. Donc Kylian, on va fermer ta connexion, tu pourras plus aller sur internet. Ouais, c'est bon, je l'ai lancé là, dans 16 minutes 40, elle est fermée. 16 minutes 40, j'ai c'est génial. J'ai fermé la ligne.
Ok, Kylian. Non, vas-y, sinon... Kylian, donc ta co-op va se fermer. Du coup, bah, c'est génial, on va pouvoir avoir accès plus facilement encore plus à ces données. Ton PC, c'est génial parce que du coup, on a accès à tout ton PC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, comment dire... Mais arrête, parler, tu te souviens quand genre, on avait essayé avec un gamin, en fait, de genre le faire passer pour un... qu'on avait réussi à faire emprisonner le gamin parce qu'on l'avait fait aller sur des sites de pédophilie. Le gamin il avait 14 je crois, on l'a réussi à le faire emprisonner. Donc crois-moi. Bah, on peut faire la même chose avec toi en fait si tu veux. Et, non, puis, arrête, et c'est pas parce que tu dis arrêter ni rien qu'on va être plus gentil, on est comme ça de base. Oui. Heureux. Ouais. T'en mets du temps avant de venir. Eh, tu sais que là j'étais en train de m'énerver et que le temps était vraiment très bas. Hein. Heureusement que je l'ai mis sur pause. Hein. Kylian. Quoi ? Pourquoi tu pars comme ça sans prévenir ? Mais j'allais dire à mon pote. À qui ton... Mais on s'en bat les couilles, pourquoi tu le dis à ton pote ? Kylian, tu pars pas comme ça, surtout qu'on va te boot, on va niquer ta connexion, donc pars pas comme ça, tu vas m'énerver. Ok ? Et en plus, il y a pas mal... Il y a pas de si tu veux, déjà tu te dis... Attends, déjà tu vas mieux me parler, s'il te plaît, parce que là, si tu veux, on nique tout l'argent qu'il y a sur ton compte, sur le compte à ton parent, sur le compte épargne qu'il avait mis pour toi, pour sa femme et pour son daron, je peux te dire que tu vas te faire bien niquer sévère, ok ? Okay. Il y a plus de 47 500 euros. 47 500, donc tu vois déjà que tes parents ils étaient assez bien. Pour toi, pour lui ou pour ses parents ? Pour lui. Ok, donc Kylian, déjà tu vas baisser un ton, tu vas bien me parler, ok ? Oui. T'as de la chance parce que j'allais m'énerver, on allait péter ta colle là, mais genre sévère. Kylian. Ah, t'es bien gentil, mais. Mais vas-y, Roxy, je te laisse l'expliquer parce que sinon je vais m'énerver encore et. Ah, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à nous offrir en échange de taco pour pas qu'on te un truc, un truc à nous proposer pour pas qu'on te pète taco et pourquoi pas pour pas qu'on nique l'argent qu'il y a sur le compte. Je peux dire n'importe quoi. Non, tu dis pas n'importe quoi. Tu dis ce que t'as à nous proposer, c'est tout. Dis pas de la merde. Oui, mais non, mais je veux dire. Bah, je sais pas. Propose. Tu as trop beau. Minecraft. Mais on s'en fiche d'un compte Minecraft, on peut en avoir quand on veut. Mais je sais pas. Propose-nous, tu as 7 secondes, propose-nous toutes les idées qui te viennent à la tête. Un compte... Continue, parle, on dit rien, allez, continue. Compte... LOL. Un compte League of Legends, on s'en fiche, on va dire. Dépêche-toi. Alors, ce que je peux te proposer... est-ce que... je sais pas... On va te faire... est-ce que si tu chantes, ça va ? Oui. Ça te dérange ? Non, non. Bon, alors... Ok, attends, tu vas nous chanter deux chansons, ok ? Non, je vais lui donner un lien, ok ? Ok. Je vais lui donner un lien. T'as intérêt vraiment de chanter, parce que sinon, ça va pas le faire... Ok ? Ouais. Si tu veux pas que je m'énerve, vraiment, tu fais ce qu'on dit, parce que sinon, ça va vraiment énerver. Oh, et puis putain. Après, on fera rien si tu chantes. Comme ça, au moins, ça le calmera. Ah, t'as intérêt de me faire rire, tiens. Allez, t'as intérêt de chanter, il y a les paroles. Ok. Dépêche-toi. T'as intérêt de chanter à voix haute. Oh, qu'est-ce qu'il lui a envoyé, Trah ? Il est sérieux. Dépêche-toi. De rien qu'à... Dépêche-toi. Oui, c'est bon, ça lance. Oh putain, qu'est-ce qu'il lui a envoyé ? Dépêche-toi. Je vais la prendre par derrière. Allez ! Ouais, il faut les paroles. Fan de Lana, elle commence à m'appeler. Et sans trou de balle, je vais en faire mon affaire. Juste une fois. Dépêche-toi. Elle remplace un peu à Jean-Luc Delarue. Ne sachant rien lui refaire le cul. C'est comme ça. Dépêche-toi. La sodomie, elle adore. Dépêche-toi. Alors je l'enculerai encore et encore. Je vais la prendre par derrière. Je vais lui monter le cul. Elle aura plus grand chose à faire. Son anus est foutu. Je vais la prendre par derrière. Dépêche-toi. Je vais lui défoncer le cul. Et il y aura plus grand chose à faire. Son anus est foutu.
Roxif. Elle m'attendra agenouillée par terre, mais ce sera pas pour faire une prière. Continue de chanter, dépêche-toi. Croyez-moi. Elle me dira que son anus pue, mais moi je m'en fous car devant c'est ses velus et j'aime pas. Je lui enfoncerai tellement fort qu'elle va crier son mal jusqu'aux aurores. Je vais la prendre par derrière, je vais lui démonter le cul. Bon, stop, et il n'y aura stop, plus grand stop, chose à stop, faire. Stop, arrête de chanter, stop. Son anus est foutu. Stop, arrête de chanter. Stop, arrête de chanter. Oui. Oui. Putain, tu chantes vraiment comme une merde. Bon, écoute, ça c'est assez convenable. Maintenant, on va te faire chanter une dernière chanson et après on te laissera tranquille. Ok. Mais t'as intérêt de bien la chanter parce que moi je vais pas te laisser tranquille sinon je vais t'attraper jusqu'au bout, hein, tu le sais. Alors t'as intérêt de bien chanter, t'as intérêt de mettre l'air avec. Et dépêche-toi aussi Roxy parce que sinon je vais m'énerver contre lui, parce que je vais pas m'énerver contre toi. Et c'est une de mes chansons préférées, donc j'espère vraiment que tu vas pas me décevoir. Go, go Power Rangers! Go Power Rangers! Go, go Power Rangers! Go, go Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers! Dépêche-toi! Go, go Power Rangers! Go go Power Rangers. Dépêche-toi. Go go Power Rangers. Mais c'est plus de cœur là, vas-y. Mighty Morphin Power Rangers. Mais plus Power, fort. Power Rangers Zeo. Stronger than before, go Zeo. Power up of more. Mais chante plus fort, allez. Rangers at the core, Zeo. Power Rangers. Tout est de OS. Chante plus fort, chante plus profond que toi. I tell the guy so, go Zeo, fire of armor, go Zeo, even out the score, Zeo, Zeo, go go Power Rangers, go go Power Rangers, go go Power Rangers, Zeo, Power Rangers, Power Rangers Turbo. Shifting to turbo, go mighty engines roar, turbo charger for move, drive for on the floor, go Power Rangers turbo, go Power Rangers turbo, go Power Rangers turbo, oh Power Rangers in space, set control to outer space now, flying higher than ever before, Ranger in space. Go Power Rangers! Bon, c'est bon, comme toi, Kylian, c'est bon, arrête de chanter, arrête de chanter. Je sais que t'as envie de chanter, mais arrête de chanter, vraiment. Ouais, arrête. Ça. Oui. Oh mon dieu, c'était. Merci, t'as chanté quand même, il fallait le Power Rangers, c'était génial. Par contre, t'as pas mis l'accent, c'était un peu. Voilà. Mon Roxy va dire une dernière chose. Ouais. Kylian? Oui. Je veux juste t'annoncer que tu viens de te faire troller. Kylian? Oui, je peux chanter si vous voulez. Non mais c'est bon, t'as non, déjà chanté bon. De toute façon. C'est bon. Oh, franchement, Kylian, t'es un cas, t'es génial, t'es exceptionnel, génial. T'es... Oh, je t'adore, je te kiffe. Mais vous m'avez pas hacké. Non, t'as pas hacké. On t'a pas hacké. Et enfin, donc voilà, la vidéo, les amis, touche maintenant à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à partager. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Traité, comme j'ai dit, qui est le créateur du faux virus. J'ai aussi tourné la séquence quand j'étais sur le serveur ZK Game. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc tchuss!